font partie commune de nos vies. Elles peuvent être bonnes ou mauvaises. En quelque sorte, c'est fait pour associer la société et non pour payer le prix. Et deux fois, le prix peut retirer la joie de la vie. L'amour pour la tradition n'a jamais affaibli la nation. Par contre, il a fortifié des nations dans de moments de trouble. Cependant, le christianisme est venu prendre le dessus dans la terre d'Ibo. La suprématie et la paix de religions africaines a dû prendre du recul. Mon nom est Gédéon. Et je suis le seul fils de la vraie croyance du Christ. Prenez votre temps et profitez de mon histoire. Thank you.
Cheteka. Et Cheteka. L'immortalité est devenue une malédiction pour moi jusqu'à ce que j'aie mis mes yeux sur les graines que j'ai plantées en toi. Es-tu avec un fils? Oui, Nam. Je l'aime. Maman, pourquoi permets-tu que l'eau de ton âme sorte à travers tes yeux? Rien, le fruit de mes entrailles. Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé, maman. Ça s'est bien passé. La nourriture est prête. Va manger. Maman. D'accord, maman. Maman. Mon fils.
Ça va? Mais qu'est-ce qui te trouble? Je les ai encore vus. Quoi? On doit partir le voir. C'est ça, nous devons partir le voir. Viens, nous devons partir. Oui, mon frère. Parle-moi de ce songe. Tout ce dont je pourrais me rappeler, c'est que j'avais vu des hommes, deux vieux hommes, avec une mascotte. Mais je ne peux pas me rappeler de leurs mots. Je ne peux pas me rappeler. Deux vieux hommes dans ton rêve. Oui, avec une mascotte. Voir une mascotte dans ton rêve est une mauvaise chose. Ça n'annonce rien de bon. Mais je vais prier pour toi. Et je vais aussi te donner l'huile sainte. C'est que tu vas commencer à toujours utiliser la nuit. Mais vous allez payer pour ça. C'est à combien? Ça ne coûte pas assez. Juste 2000 naira. Ah! Pasteur, tout ce que je... c'est 1000 naira. Juste 1000 naira? Oui, pasteur. Ok, est-ce que je peux la voir? Attendez que je prenne l'huile. Ok, pasteur. Où est-ce que nous aurons l'argent pour demain? Ne t'en fais pas. Tu peux prendre, mais toujours un peu d'huile sur ta langue chaque nuit. Et mets aussi un tout petit peu sur ton visage avant de dormir. Ok, pasteur. Rien ne va t'arriver. Mets-toi à genoux, laisse-moi prier. Vas-y, genoux. Au nom de Jésus, Père qui es aux cieux, j'abandonne ton fils entre tes mains. Laisse que tu annules ton mauvais cauchemar dans sa vie la nuit. Que rien n'affecte sa vie au nom de Jésus. Amen. Qu'il soit couvert par le sang de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Qu'est-ce qui te dérange, Gédéon? Mes songes. Mes songes sont toujours accompagnés de mots. Mais à chaque fois que je me réveille, je veux oublier ces mots. As-tu déjà fait quelque chose pour ça? Ma maman m'avait amené auprès d'un pasteur qui avait fait une prière pour moi et qui m'avait aussi donné une huile. Sans rien donner? Tout ce qu'elle avait, elle avait donné. Mais elle l'avait fait pour tout le bien du fruit de ses entrailles. La religion de l'homme blanc a placé ses croyants dans un esclavage quotidien, sans même se soucier de ce dont ils ont besoin. Arrête de dire ça, Delisa. C'est comme mon père Ozoï Kemba, le fils de Abo Digi, le grand Dibia, qui a perpétué la tradition de ses grands-parents. Puis il te demandera toujours de donner tout ce que tu as avant de consulter les dieux. Ah, Delisa, s'il te plaît, pardon. Je ne veux plus du tout soutenir cet argument. Tu sais, cet argument, c'est comme un nouveau marié mort qui se tient au milieu de la vie et la mort et qui ne sait pas quel chemin prendre ou peut-être aller chez sa nouvelle femme
ou bien qui rejoint les ancêtres pour l'accompagner. Alors, s'il te plaît, essaie de ne plus parler de cet argument. Oh. Alors, comment vas-tu, mon amour? Je veux bien. Tu m'as manqué. Tu m'as manqué aussi. C'est tout ce que je te demande. Je veux bien te traiter. Je veux bien prendre soin de toi comme une bonne belle-mère. Tout ce que j'attends de toi, que tu dises oui. Mais Gédéon et moi n'avons jamais été amis. Et on n'a jamais parlé ensemble. Gédéon est mon fils. Ma parole, c'est sa parole. Je veux lui parler. Si c'est le cas, laisse que le juge décide. Oh, la décision d'un homme, c'est aussi la décision de Chi. Quand un homme dit oui, le Chi aussi dit oui. Ok, maman. Parle à votre fils. C'est bien. Et comme ça, je vais vous revenir. Merci beaucoup. De rien. Que le Dieu et ton Chi te protègent. Il sait. Moi, je pars déjà, c'est maman. C'est bien. Sois béni. Il sait. D'accord, mon bye. C'est bien. Je vous ai tous fait venir ici pour vous rappeler que demain c'est le jour du marché. Et comme d'habitude, je veux que nous profitions de cette opportunité pour nettoyer la route qui va vers la rivière. Alors je veux que tout le monde vienne demain matin, très tôt, afin que nous arrivions à les faire. Arise, qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi, Président Nigel. La dernière fois que ces messieurs étaient sortis pour ce travail, beaucoup d'entre nous n'étaient pas sortis. Non. Arise, quel est ton problème? Tu te plains beaucoup. C'est pour cette raison, cette réunion a été convoquée pour y participer tous en tant que jeunes de ce village, pour mettre la propriété dans notre village. Tais-toi, malade. Moi, malade? Tu es un très grand fou. Je ne me suis même pas adressé à toi, alors tais-toi. Mais Arise, pourquoi est-ce que tu l'insultes? Il ne dit que la vérité. Regardez-moi, d'où est-ce que celui-ci vient encore? Regardez qui est-ce qui en parlait. Ah, c'est toi encore. Fils d'un inconnu, est-ce que Arise, tu connais même ton père? Arise, je suis en train de dire la vérité. Arise, que vous silence, je dis. Et ça reste la vérité. Maintenant, laisse qu'aujourd'hui soit la dernière fois que tu vas insulter quelqu'un lors de cette réunion. Pendant que je suis là, la prochaine fois que tu seras de le faire, tu seras se faire pour punir. Tu reçois une grosse punition. Est-ce que tu me comprends? Arise doit être puni pour ça. Parce que ce n'est pas la toute première fois qu'Arise s'est permis d'insulter quelqu'un lors de la réunion. Non, bienvenue, mon fils. Quelle est la nouvelle que tu as portée de ta réunion? Maman, j'ai été appelé fils d'un inconnu durant la réunion. Par qui? Et comment? Qui suis-je, maman? C'est qui est mon père? Pourquoi n'ai-je pas un frère? Ni moi une sœur. Je n'ai aucun oncle. Et il n'y a aucune portion de terre sous notre nom. Juste cette maison pourrie. Ton père est mort juste après ta naissance. Il était le seul fils de son père.
C'est presque comme toi. Ton père n'avait pas d'oncle, pas de tante, ni frère, ni soeur. Donc il n'y avait pas d'héritage laissé pour lui. Mon fils, réfléchis beaucoup. Aussi pourquoi donnera de l'espoir à ceux qui en manquent. Mais maman, si mon père était connu, pourquoi ai-je été appelé fils d'un inconnu? Ceux qui t'appellent fils d'un inconnu sont de ton âge. Ils n'étaient pas encore nés avant que ton père rejoigne ses ancêtres. Si mon père était grand, alors parle-moi à propos de lui. Dis-moi. Je le ferai, mais pas aujourd'hui. Ok. Maman, as-tu mangé? Non, je n'ai pas mangé. La dernière nourriture qu'on avait, c'est ce que nous avions mangé la nuit dernière. Je crois que Dieu fera un miracle. Mon fils, je vais te dire quelque chose. Oui, parle, maman. Comme tu es mon seul descendant, je veux que tu prennes une femme. Quelle a été ta réponse? Je lui ai dit de parler d'abord à son fils et qu'elle laisse notre fille décider. C'est un homme qui travaille très dur, béni par... Oh, c'est quoi? Il est très beau. Je souhaiterais qu'une telle offre me parvienne. Je ne veux même pas laisser mon fille décider. Je vais saisir l'opportunité. Obioma, fille de Obionke, celui qui marche en l'encontre de Chi meurt toujours avant sa destinée. Mais Obiageli, s'il faut que je dise un mot, je te dirai de saisir l'opportunité. Ceci-là, sa mère va bien prendre soin de toi comme une belle fille. Il serait mieux que tu parles avec sagesse et que tu comprennes ce que nous avions dit. Je vous ai écouté et je le ferai. Pensons un peu à cela. Pourquoi il ne porte pas un nom de femme? Il a juste un prénom. Est-ce que cela est normal? Ça, c'est vrai. Ah, oublions ça. Peut-être quand notre amie deviendra Madame Gédéon, on aura la réponse à cette question. C'est sûr. Allons-y. Now. Maman? Hein? Bon retour, maman. Comment tu vas? Je veux bien, maman. Je sais juste enlever les effets de légumes. Pour le repas que je t'avais parlé. Bonjour Gédéon. Bienvenue. Maman, est-ce que je peux aller mettre la peinture? Pas maintenant. Elle, c'est la fille de Bourré, le terre du village. Celle dont je t'ai parlé. Maman, qu'est-ce que je t'avais dit hier? Je t'avais dit que je crois que le Dieu me donne. Lorsque le moment sera venu, je n'ai pas besoin d'une partenaire maintenant. Et même si j'avais besoin d'une partenaire, ça ne peut pas être cette
cette fille de la femme d'ailleurs de ce village. Est-ce que tu entends le parole sage de ta mère? Maman, je vais aller louper le bois pour le feu. Hein? Maintenant, je m'en vais. Maman, je ne suis pas amoureux de la fille de Polly. Je m'en vais maintenant. Je ne suis pas du tout amoureux d'elle. Gédéon! Maman, il m'a rejeté. Ne t'en fais pas. Quand il va revenir, je veux parler avec lui sagement, ok? Mon fils va t'épouser. Laisse-moi t'apporter quelque chose à manger. Merci, maman. Illumine ton visage, non? Moi, avec celui-ci, ça ne va pas marcher. Maman, qui es-tu? Mon nom est Adolissa, la fille des Ozo Ikemba, les seuls Ozo de notre communauté. Qu'est-ce que tu viens chercher dans ma parcelle? Je suis venue chercher Gédéon. La lumière et les ténèbres n'ont rien en commun. Je m'en fous de ton titre ou quoi. Sors de ma parcelle. Mais... Silence! Toi, la fille du méchant et de faux Dieu. Nous appartenons à Dieu. Ni avec mon fils, ni dans ma parcelle. Laisse ma descendance tranquille. Nous appartenons à Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Va-t'en, toi la fille du méchant. Je t'élis. Quitte ma maison. Ne reviens plus jamais. Au nom de Jésus. Je ne veux plus te revoir avec mon fils. Au nom de Jésus, je t'élis. Oh Jésus-Christ. Je le déclare au nom de Jésus. Jésus. Qu'est-ce qui m'arrive sans effet? Oh Seigneur! Adolissa, regarde-moi. Adolissa, écoute. Ne prends pas à cœur ce que ma mère a dit. Elle est juste énervée parce que j'ai rejeté Obiageli. Elle veut que je l'épouse. Pourquoi si vite? Pourquoi elle est en train de forcer sa fille vers toi? Mais d'après elle, je suis son seul descendant. Et c'est comme ça que je dois rapidement me marier pour lui donner un petit-fils. Ça, c'est une bonne raison. Mais pourquoi Obiageli? À cause de sa maman, la femme d'ailleurs, elle est une chrétienne. Je vois. Nous devons juste espérer. Alors, mon amour, comment avais-tu passé ta journée? La fille de Ozo Ikemba va bien. Tu aimes énormément ton père. Mon père Ozo Ikemba est un grand homme. Bien sûr, il l'est. Adolissa, j'aimerais te dire quelque chose. Parle, je t'écoute. Connais-tu Arisé? Oui. Arisé m'avait appelé, fils d'un inconnu, lors de notre dernière réunion. Le fils d'un inconnu? Oui. Et, je n'arrive même pas à le comprendre. J'avais même demandé ma mère pour ça. Et tout ce qu'elle pouvait dire, c'était que j'avais perdu mon père lorsque j'étais né et que je n'ai pas de membre de famille. Tu as vu? Voilà pourquoi j'aime ma tradition. Si seulement tu acceptais de venir consulter mon père,
Il va te le dévoiler et te dire la vérité. Viens, on va consulter mon père et il te dira la vérité. Calme-toi, s'il te plaît. As-tu déjà oublié? Rappelle-toi du serment que j'avais fait. J'avais promis à ma mère de ne plus mettre mes pieds dans la maison d'un de ces gens. As-tu déjà oublié? Mais c'est la tradition de tes pères et tes grands-parents. Pardon, s'il te plaît, Adolisa. Ne reprenons plus encore ces choses. Pardon. Est-ce que c'est bon? C'est bien. Tu sais, tu m'as manqué. Tu m'as aussi manqué. Allons-y alors chercher... Toi là, d'où viens-tu? J'étais allé prendre un peu d'eau dans la rivière. Attends, que viens-tu de dire? As-tu oublié qu'aujourd'hui est le jour sacré du marché? Et que personne n'est supposé aller boire de l'eau dans cette rivière-là, tu ne sais pas ça? Et moi je m'en vais où? Ce n'est pas vrai. Hey! Ça, dis-nous, pas vrai. Qu'est-ce que tu viens de faire? Dis-nous, qu'est-ce que tu viens de faire? Abomination! Ça veut dire que je vais mourir dans 3 jours, d'après la tradition de notre terre. Hey! Allons-y, hey! Ce n'est pas vrai. Depuis que la loi a été établie par nos aïeux et nos pères ne l'ont que respecté, personne n'a pu la briser. Pourquoi alors cela va se produire dans mon époque? Il va mourir. Thank you.
Fils des dieux du Loka. Le petit-fils de Koko. Gédéon. Gédéon. Ah. Je t'avais réveillé et tu es retourné dormir. Gédéon. Gédéon. Ah ah. Ça, c'est quelle façon de dormir, ça? Gédéon! Maman? Oh! Viens par voir le pasteur. C'est quoi ça? On y va. Maman, je les ai encore. J'espère que tu les as rien dit. Je ne peux plus me rappeler de tout ce qu'ils disaient. Mais je l'ai revendiqué et tout. Quoi? Je t'ai averti de ne pas le parler. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu veux? On doit aller voir le pasteur, va brosser. Je dis, tu ne vas jamais écouter.
D'ailleurs, ne brosse pas. On y va, on y va, on y va, on y va. Père qui est aussi, je remets ses fils entre tes saintes mains. Protège, garde-les au Seigneur. Et je prie que toute arme forgée contre lui sera nulle sans effet au nom de Jésus. Amen. Rien ne va lui arriver, je prie au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir. Rien ne va lui arriver. Utilise toujours l'huile que je t'avais donnée. Et tout ira mieux. Pasteur, et pour l'eau qu'il avait bu, selon la tradition, il mourra dans son sommeil demain. Rien ne va lui arriver. Toujours fais la prière que je t'avais apprise. Et rappelle-toi d'utiliser l'huile de la bonne manière. Et tout ira mieux. Merci, pasteur. Merci, pasteur. Merci. Merci. Mm-hmm. Que pouvez-vous offrir? Pasteur, c'est tout ce que j'ai. Son erreur. C'est ce que tu as? Oui, pasteur. Tu peux mettre sur la table. En tout cas, c'est très peu. La prochaine fois, je ne veux plus accepter moins de 1000 naira. Merci, pasteur. Merci à toi. Dieu va te bénir. Incline, te laisse-moi payer pour toi. Merci. Bois ça. Ça contient le... Mano Akwejuku et le Nunuebe. Les tous sont des antipoisons que mon père utilise dans des cas assez graves. La terre ne va pas t'appeler demain. Adolissa, boire de la rivière secrète au jour du marché était une erreur. Je n'avais rien de mal en tête quand je l'avais fait. Alors laisse que la volonté de nos dieux et de nos ancêtres soit faite. C'est la toute première fois que tu dises les mots comme mon père. Gédéon, en permettant que la volonté de Sebouloua et de Tchi se manifeste, laisse que ton Tchi te protège. Je vais rentrer à la maison ce soir et je vais attendre que la volonté de mes ancêtres se réalise. Mon amour, peu importe ce qui pourra m'arriver ce soir, je veux que tu saches que je t'aime et je t'aimerai pour toujours, jusqu'à l'éternité. Mais au Sebouloua, Dieu va te protéger. Rien ne t'arrivera cette nuit. Et prends ça. N'oublie pas de le boire la nuit. Merci. Et c'est... Thank you.
Hey, pauvre enfant, tu sais que nos ancêtres acceptent ton âme demain. Mais qu'est-ce qu'il faisait dans cette eau secrète, dans une rivière secrète et le jour du marché même? Quand tu l'ouvres sa bouche pour parler, haut, personne ne peut l'arrêter, excepté qui peut l'arrêter avant que ça se fasse. Vous savez, j'ai appris qu'il va mourir aujourd'hui dans son sommeil. C'est ce que notre tradition et coutume exigent. Et personne ne peut toucher son cadavre, sauf Ozo Ikemba le Dibia. C'est lui qui est supposé faire le rituel et habiller son corps avec l'habit qu'il faut. Et je pense qu'il sera enterré dans la rivière. Hey, tout fia quoi? Oh la vie! Mais attendez. Ma chère, les dieux sont encore silencieux. J'ai aussi entendu qu'il a engagé les dieux pour qu'ils se battent pour lui. Que Nochi nous protège. Il sait. Arrange ta tête, laisse-moi finir. Je suis en vie. Je suis en vie, maman. Oh mon Dieu. Je suis en vie, maman. Gédéon. Qu'est-ce que tu fais ici, toi, fille de malheur? Toi, la méchante de premier niveau. Laisse mon fils. Sinon, je vais te lier et ton chi. Quitte ici. Maman. Mais maman. On doit aller voir le pasteur parce qu'il t'a redonné la vie. Maman, arrête! Arrête, maman! Le pasteur ne m'a donné aucune vie. C'est Osei Blois qui m'a donné la vie. Papa, 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 il vit. Comment? C'est seulement Osei Blois qui peut nous répondre, papa. Prendre ton fils n'est pas du tout un problème. Mais plutôt le problème, c'est est-ce que ton fils peut m'obéir et me respecter? Oh mon Dieu, c'est quoi ça? Je connais ma descendance. Il est poli. Il va te respecter. Pardon, non. Aide la veuve. Ok. Je vais t'aider. Ok, merci. Mais tu dois très bien l'avertir. Il va travailler pour moi 4 ans. Et après, je vais ouvrir un shop en son nom. Ah! Oh non! Ah. Que mon Dieu te bénisse! Oh! Que le Dieu des ancêtres t'entende! Qui te bénisse, mon Dieu! Et merci!
Merci, oh. Je voyage la semaine prochaine, lundi. Alors tu dois la prêter. Il doit venir ici le jour avant que je parte, afin que nous partions très tôt. Hmm? Tu sais que c'est très loin. Je veux faire exactement ce que tu as dit. Je veux partir maintenant. Attends. Je ne suis pas venu avec ma femme. Alors, tu dois essayer de gérer ces 2000 nerfs. Hmm? En remplacement de noix de cola. Hey, merci. 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 Je vais faire ce que tu as dit. Maman, comment es-tu sûre que cela pourrait m'aider? Ah, mon fils, c'est en ta faveur. J'ai d'ailleurs demandé au pasteur de prier pour toi. Alors, il part quand déjà? Plutôt la question c'est, quand allez-vous partir pour là-bas? Il a aussi promis d'ouvrir un shop. En ton nom. Ok. Pendant combien d'années déjà c'était avec lui? Il a dit 4 ans. 4 ans. Alors, c'est quand est-ce qu'il part déjà? J'ai dit encore. Vous deux, vous allez quitter Onitsha la semaine prochaine, le matin, c'est ce qu'il a dit. D'accord, maman. Alors, as-tu mangé? Oui. Il m'avait donné un peu d'argent. Et je l'ai utilisé pour préparer ta nourriture préférée. Hein? C'est vrai, ça? Maman, je ne peux pas attendre de manger le repas de Lucie et de ma mère. Ta nourriture, c'est dans la cuisine. Je ne peux plus attendre de manger tout le J'avais entendu Ikemba en train de poser des questions concernant son existence. Lui être en vie, ça veut dire beaucoup de choses. C'est soit Osebloa qui est avec lui, ou il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Son chi est vraiment très fort. Mais attendez, pourquoi porte-t-il un nom étranger? Que peut-être son prénom? Es-tu en train de lui demander? Sa maman pourrait te donner la réponse que tu es en train de chercher. On s'en va. Allons-y. Ta chance, c'est pas vraiment mauvais. Mais je ne vais pas aller ailleurs présentement. Moi non plus. Et je ne vais pas. Partir à Onitsha n'est pas mauvais. Ta mère veut le meilleur pour toi. Et si c'est la seule option, ton chi va te garder. Que je parte. Mon père Ozo Ikemba m'a demandé de lui amener quelque chose. D'accord alors.
Mam, où va mon père? Ton père s'en va à Ouroudé pour aller voir la vie de Louis qui s'appelle Amour. Si ses esprits se sont enfuis. Qui est-il, père? C'est une longue histoire et je te dirai lorsque je vais revenir. Mais après, tu vois, parce que tu vas aller à Ouroudé lorsque je vais revenir. Pourquoi, Nam? Je te dis lorsque je vais revenir. Néanmoins, il y a deux gens qui m'attendent pour qu'on parte là-bas jeudi. Que les esprits de cette terre et ton chi te protègent. Je vais revenir avant que la nuit arrive. Reste en paix. Oui, Nam. Bonne route. Les gens sont venus le trouver mort ici et personne ne sait ce qui lui est arrivé. Hey! Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui arrive? D'accord, allons-y. Je crois que tu es venu avec mes frères. Est-ce que je peux le prendre avant la question? Quel frère? Je ne peux pas aller avec toi prier pour ta maman. Si tu ne me payes pas. Ah. Pasteur? Ma maman a toujours été une bonne croyante à ta religion. Une très bonne croyante. Ne pouvez-vous pas essayer de l'aider sans que je vous donne des frais? Pasteur, à chaque fois qu'elle donne des frais, signifie beaucoup. Néanmoins, la Bible l'avait aussi fait et ça avait très bien fonctionné. Quand tu payes un homme de Dieu pour la prière qu'il a faite et le service qu'il t'a rendu, c'est clair que tu auras de miracles venant du ciel. Dans ta famille.
Une fois que je vois le frais sur cette table, je pourrai appeler que les anges viennent avec moi. Et ta maman sera guérie, elle pourra encore marcher sur ses pieds. Une fois encore. Mon frère, l'ouvrier mérite son salaire. Avant que je quitte ici, tu dois me payer. Je suis désolé que je ne peux pas l'aider. Ovegili, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Ovegili, s'il te plaît, je t'en supplie. Je n'ai pas mangé. Et maman qui est malade n'a pas non plus mangé. S'il te plaît, juste un peu d'argent. S'il te plaît, j'ai besoin d'argent pour acheter un peu de médicaments. Juste un peu. Je te promets que je veux te le remettre, s'il te plaît. Es-tu sourd ou ton Dieu est sourd? Même si j'ai beaucoup d'argent, je ne le donnerai pas à un fantôme comme toi. Hey, Ovegili. Rappelle-toi que ma maman était gentille avec toi pendant qu'elle était encore bien portante. S'il te plaît, aide-moi bien, Gali. S'il te plaît, je t'en supplie, s'il te plaît. Ta maltraitance envers moi est en train de te revenir avec force. Ça, ce n'est que le début. Très bientôt, ta sorcellerie sera découverte. Pourquoi dis-tu tout ça, Obdia Gali? Est-ce que c'est juste parce que j'ai besoin de ton aide? Alors va supplier ton chi, toi fils d'un inconnu. Et quoi un sot? Laisse-moi partir avant que tu puisses me jeter les mauvais sorts, n'importe quoi. Encore, fils d'un inconnu. Ibo ne no kemau,
Fils d'Amouma. Fils des dieux du Loka. L'arrière-petit-fils d'Ogugu. Je te promets que je ferai tout ce que tu me demanderas. Tout ce que tu m'as donné, je veux prendre. En tout cas, tout. J'ai juste besoin d'argent pour prendre soin de ma mère. Elle est malade dans la maison. S'il te plaît, peu importe. Écoute. S'il te plaît. Écoute-moi. Debo. Après tout ce que tu as dit, demain matin, tu peux passer travailler à mon champ. Hein? Hein? Merci énormément. Merci énormément. Laisse que mon Dieu te bénisse. Il sait. À quelle heure veux-je commencer le travail? Aussitôt que possible. Afin que tu finisses tes boulots à temps et que tu pars prendre soin de ta mère. Merci énormément. Je viendrai très tôt matin demain et je viendrai faire tout ce que vous avez demandé. Est-ce que c'est bon? Maintenant, tu peux être en paix. Tout ira bien. Il sait. Merci énormément. Là, je m'en vais maintenant. Ok, merci énormément. Prends soin de toi. J'avais voyagé à Ikoumi. Et à mon retour, j'ai entendu la mauvaise nouvelle. Comment va maman? Ah, Adolissa. Adolissa, maman est en train de mourir. Ma mère est allongée sans parler. Ses yeux sont fermés. Son visage est recouvert de choses et presque pourri. Maman est à terre. Ne permets pas à la rivière de larmes couler et Zigoma. Tout ira bien. Si seulement tu pouvais suivre le voie de nos grands-parents. Je vais demander à mon père Izoi Kimba de t'aider. Il n'y a aucune maladie qui ne saurait traiter. Les serments que j'avais faits. Je ne veux pas que tu visites la maison de Lisa. Mais, maman... Gédéon, écoute le mot de sagesse de ta mère. Je veux que tu jures à ma présence aujourd'hui. Promets-moi que tu m'écouteras toujours. D'accord, maman, je promets. Jure-le-moi. Maman? En ces jours, en présence de ma mère, je jure de ne plus jamais mettre mes pieds dans la maison de cet homme. Ok. Es-tu contente, maman? Laisse que Osebouroua continue à te protéger dans cette descendance. Maman... Alors, tu vois, je ne peux pas. Et alors, le pasteur de ta maman?
il ne peut pas aider sans un prix. L'homme blanc est en train d'escroquer notre peuple. Si seulement Tonchi t'avait ouvert les yeux pour voir le bienfait de notre coutume et culture. Le rêve. Je les ai encore vus dans mon rêve. Et cette fois-ci, ils m'ont dit quelque chose. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils m'ont appelé par un nom. Mais ce nom, je ne m'en souviens plus. Et ils ont appelé le nom de mon père. Et le nom de mon grand-père. Mais je ne me rappelle plus de tous ces noms. Oh, que le Dieu t'aide. Gédéon, je veux te poser une question. Ta mère t'a appelé Gédéon. C'est que le nom de l'homme blanc. Et c'est quoi ton vrai nom? Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Ikemefuna, qui a demandé à tous ces gens de travailler ici? La propriétaire, bien sûr. Elle m'a appelé ce matin et elle m'a donné cette boulot. C'est comme ça que j'essaie d'appeler mes amis pour qu'ils viennent m'aider. Mais ce n'était d'accord hier que je viens travailler dans cette terre. Pourquoi ne vous avez-elle pas contacté pour faire le même boulot? Je ne sais pas. Tu peux aller le lui demander. Elle pourra avoir la tâche que tu cherches. S'il te plaît, moi je reste travailler. On va se voir après. Toi aussi, dis-moi, ma chère. Pourquoi lui avais-tu donné? Dis-moi d'abord. Je ne sais pas, je n'ai même pas compris. Hey, je te dis, il mérite d'être maltraité. Franchement. Que fais-tu ici? Salutations. Garde tes salutations pour toi-même. Je suis venu à cause de ce boulot dont nous avions parlé hier. J'ai déjà donné ce travail à une autre personne. Alors tu ne vas pas entrer dans mon shop pour faire quoi que ce soit. Oui. Tu n'auras pas d'argent ici. Fais gaffe, toi fils d'un inconnu, le fils de Oukouinso, le plus méchant. Je te le dis, tu ne vas jamais voir la lumière de demain. Et mon chi ne va jamais laisser ça se passer. S'il te plaît, s'il te plaît. Elle a dit ça. Elle a dit que tu partes. Vas-y, pars. Oh. N'importe quoi. Je t'avais prévenu. Il est maudit, ce garçon. Je te dis la vérité. Tu vois maintenant.
Je n'ai jamais su profiter de ma vie depuis mon existence sur cette terre. Mon seul secours, qui est ma mère, elle est sous la maladie. Elle ne peut même pas parler. Elle ne peut pas non plus m'entendre. Son visage est recouvert de choses et il est presque pourri. Hé! Qui est cette personne qui pourra m'aider? Elle même avait dit que nous n'avons pas de membres de famille. Aucune terre sous notre nom. Personne n'est d'accord pour m'aider. On me donne du boulot afin que je travaille et que je gagne un peu d'argent. Afin que j'arrive à prendre soin de moi et de ma maman qui est malade. Personne. Mais c'est quel genre de rêve que j'ai chaque jour. Ces anciens que je vois. Qui sont-ils? Hein? C'est quoi mon vrai nom? J'ai donné Ibom. C'est quoi mon vrai nom? Qui est-ce que je suis? Qui suis-je? Toute ma vie est un mystère. Ah, laisse-moi aller voir maman. Que j'aille voir comment elle se porte. Monchi ne permettra pas que cela m'arrive. Je dois aller chercher des réponses. Je veux savoir qui je suis, maman. Le serment que j'avais fait en ta présence, je le brise en ta présence. Je dois aller trouver. Je veux savoir qui je suis, maman. Je veux savoir qui je suis, maman. Je dois savoir qui je suis. Je veux savoir qui je suis.
Et les promesses? Tout le mot que j'avais prononcé, j'ai dû les briser en la présence de ma mère. Mon père, Uzoikemba nous attend. Nam, il a besoin d'aide. Dépose tout ce que tu as dans ces pots. Non, je n'ai rien. La famine, c'est ce que je passe tous ces jours. Non, pardon, aide-le. Tout celui qui cherche la face de ses esprits doit connaître son enfance. Que ton seul loi et ton chi te guide. Qu'est-ce que tu fais ici, fils d'Amouma? Ah, non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ma maman avait dit que mon père était mort et que je n'ai aucun membre de famille. Mensonge. Mensonge. Ce sont des mensonges. Ton père est encore en vie. Mon propre père. Comment est-ce que je peux le voir? Où est-ce que je peux le voir? Tu dois d'abord connaître tes origines. Je ne comprends pas. Non, je n'arrive pas à comprendre. Je te ferai comprendre. Beaucoup d'années passées, durant l'invasion de l'homme blanc,
devenu dans la terre de Mourine et avait conduit presque plus de la moitié dans l'esclavage. Ton arrière-grand-père était parmi le peu qui sinon, tout le royaume de Mourine allait être là. Ton arrière-grand-père était parmi le peuple qui était resté à Oumoudi. Alors il était parti chercher la sécurité pour lui-même et tout son peuple dans la rivière de la déesse Ipéori. Ikuku, fils de Agumba, de quoi as-tu besoin? Idemiri. Mère de la paix et richesse, mon peuple meurt. Bien que nous sommes colonisés par l'homme blanc, notre terre est en train de mourir. Notre lignée est en train de mourir. Nous avons besoin de ta protection. Protection. Ce que tu désires est très simple, mais non sans pour autant payer les prix. Prix. Ok, dis-moi le prix. L'esprit mascotte de la paix et de la protection est ce que tu dois chercher. Oui. Ou encore, appeler l'esprit de la mascotte pour l'esprit du monde. Nous allons le servir et c'est là toutes nos générations jusqu'à la fin du temps. Ikuku, fils de Agumba, es-tu prêt? Je suis prêt. Comme il y a la protection, eh bien, moi, je suis prêt. Oui. Le servir est que ce que tu dois faire pour garantir, protéger et garder ton peuple. Tous les 20 ans, tu seras convoqué pour nettoyer la terre. Et cela va continuer de génération en génération jusqu'au dernier jour de ses pouvoirs. Mais non sans payer le prix. Peu importe le prix, je paierai. Ikuku, fils de Agumba, le prix à payer, tu as dit? Oui. Toutes tes générations doivent toujours l'adorer. Toutes tes générations ne doivent qu'enfanter des enfants mâles. Et il ne mourra pas jusqu'à ce que la promesse s'accomplira. Ah, Ikuku, fils de Agumba, es-tu prêt? Je suis d'accord. Je suis prêt. L'esprit de la mascotte que tu cherches est appelé Ayaka. Et en faisant ce qu'il demande, personne ne peut le voir excepté celui qui est choisi. Alors, il était allé à Adjokia pour ressusciter l'esprit de la mascotte. Rimiline kene ne mawo, Il va pas n'en parler, mais on a
Osebulu wa bia keneli bia nulu ya elo na mona bwana ma udigli demu ibonenu kemau kenenu wanta tie bunaka na malu nyoji odigli bi kenenu wanta tie kunaka. Après que tout ceci s'était passé, l'homme blanc n'était plus jamais revenu et il y avait la paix dans le couvent. Ton arrière-grand-père était mort après quelques années et ton grand-père Iroka avait tout hérité par lui. Après avoir fait ainsi, il donna naissance à ton père, qui aussi avait continué ce que son père faisait. Rimiline kenene mawo, rimiline kenene mawo, rimiline enu mwo, biakubalo mungu liba.
Malade. Et il ne peut pas mourir sans t'avoir vu. C'est pourquoi Ayaka, l'esprit de la mascotte, et tes grands-parents viennent toujours te visiter. Ils ont besoin que tu repartes et que tu reprennes ce qui t'appartient. Ton peuple est en train de souffrir et ils ont besoin de toi. 20 années sont passées. Tu dois partir et réveiller l'esprit d'Ayaka la mascotte pour nettoyer la terre, pour la protection et pour la faveur. Ça, c'est ce que tu dois faire. Non, je suis toujours confus. Pourquoi est-ce que ma mère ne vit pas avec mon père? Pourquoi restons-nous dans ces villages? Ton père était un amoureux de femmes. Il couchait avec toute femme qu'il pouvait voir devant ses yeux. Jusqu'à ce qu'il voie ta mère, qui était orpheline. Amouma. Je t'ai dit que je n'ai pas besoin d'un homme comme toi. Alors reste loin de moi. Belle fille. La belle fille de notre terre. Je veux faire de toi ma femme. Ton épouse. Crois-tu que je n'ai pas des oreilles? Les nouvelles qui circulent que tu cours après toutes les filles du village. Et tu n'as pas le choix. Tu mélanges les grandes comme les petites. Alors reste loin de moi parce que je ne veux pas me marier à un Dibia. Tu veux parler d'avoir qu'un seul enfant qui va réveiller l'esprit de mascotte et sauver son peuple et sa génération. Je ne peux pas t'épouser à Mouma. Je suis chrétienne, alors reste loin de moi. Amma, mon amour. Entrez. Amma, mon amour. Alors, viens, on part. Mmh.
et ton père avait pris connaissance de ta mère sans son consentement. Et quand ta mère avait découvert qu'elle était enceinte, elle s'était enfuie d'Oumoudine pour venir dans notre village Oumoudj. Amouma, fils de Iloka, grande dame de la paix et la richesse. Tu as utilisé ton pouvoir pour détruire une jeune innocente fille. Et pour cela, à partir d'aujourd'hui, tu ne marcheras plus à l'aide de tes pieds. Tu vas mourir dans la peine et l'agonie. S'il vous plaît, pardonne la camarade. Jusqu'à ce qu'il va te voir. Des moments de notre village avait donné naissance à toi parce qu'elle était une orpheline et à cause de l'espoir qui entoure ta lumière. Et elle voulait que tu n'aies aucun lien avec notre tradition ou nos coutumes. C'est pourquoi elle ne voulait pas te dire qui est ton père. Thank you.
maman. Maman. Maman, je suis de retour. Maman. 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 Maman, je suis de retour. Maman, s'il te plaît, ne me fais pas ça, je suis de retour. Maman, regarde la croix que j'avais laissée avant que je parte. Maman, s'il te plaît, regarde la croix que je t'avais laissée avant que je parte. S'il te plaît. Maman. 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 Maman, s'il te plaît. Maman, regarde la croix. Maman, regarde ta croix. Maman, réveille-toi. Maman, parle-moi. Maman, s'il te plaît, parle-moi. Maman, ton seul fils est de retour. Maman. Qu'est-ce que je fais? S'il te plaît, maman, ne me laisse pas. Ne me laisse pas, maman. S'il te plaît, maman. Ah, maman. Je suis prêt pour aller à Oumoudine. Laisse que l'esprit de tes grands-parents aille avant toi et que ton osée loi et ton Dieu te guide. Ici. Va en pays, Chiteka. Merci. Ujembe mwilo. Onyene jembe one mwilo. Cheje kata kulu abura jife. Hey, 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 hey. Mais aux hommes qui m'ont fait cette volonté,
sais déjà que tu sois suffisamment béni. Je veux maintenant joindre mes ancêtres en paix. Pardon, s'il te plaît, je suis vraiment confus et je ne sais pas ce que je peux faire. Ne sois pas confus. Le Saint-Esprit va te garder. Papa? 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 Papa, qu'est-ce qu'il y a? Papa? 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 Papa, qu'est-ce qu'il y a? Papa? Papa? Non! Papa, réveille-toi! S'il te plaît, papa, s'il te plaît, je ne sais pas quoi faire. S'il te plaît, s'il te plaît, papa, réveille-toi. Pour m'aider, je ne sais pas quoi faire. Papa, non. Papa. Papa! 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 Papa, s'il te plaît, réveille-toi! Papa! Papa, s'il te plaît, réveille-toi! Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire, s'il te plaît? Je ne sais pas quoi faire, papa, réveille-toi! Papa, s'il te plaît. Hello. Je suis pas la voix de nos ancêtres. C'est mauvais et méchant. Et c'est de la peine et souffrance. Il faut toujours suivre la vraie religion que les Blancs ont amenée. Quand tu demandes les pardons et tu seras pardonné. Notre tradition et coutume nous apporte la peine, la méchanceté et la souffrance. Quand tu grandiras, tu vas comprendre.
C'est quoi? Qu'est-ce que tu as? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Hein? Mon Dieu! C'est fini, c'est fini. Courage. Ça va, ça va, ça va aller. Mon Dieu! Calme-toi. Doucement. Tout doucement. Oui, allons-y. Ça va. Doucement. Un peu de force. Oui, vas-y. Ok. Tout doucement. Ça va, ça ira. D'accord. C'est bon. Encore. Un peu encore plus de force. Un garçon. Rimiline kenene mawo, rimiline kenene mawo, rimiline no mo bi akobalo mongole ba. Iba kana mbere ba morona zina tu ewo de glingini tuwo. No lukwekwe kone meni mwamu Usebulu wabye keneli ibia nulu ya elu na mwona wana ma Udigili demu Salutation Et tu es ta sista La porte qui venant de Mouchi La fille de Ozo Ikemba Viens d'avoir le fond Rimilin
Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que du contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 88 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.